Vous vous souvenez sans doute du film des années 80, Cocktail. Tom Cruise était le roi du bar, jonglant avec les bouteilles sur des rythmes endiablés. À Nice, une école d'art du bar vient de se créer. Des professionnels et des étudiants qui cherchent à se perfectionner y suivent des cours. Yannick Fournigo, Thomas Gauthier. Impressionnant. Ici, les bouteilles voltigent, passent de main en main avec fluidité, facilité, un balai esthétique et dynamique. Pour en arriver là, il en faut de la discipline et surtout beaucoup d'entraînement. C'est ce que propose ce nouveau centre de formation dédié au flair bartending, flair signifiant jonglage. Chaque jour, plusieurs élèves viennent apprendre à devenir les rois du bar. On lève, on passe en dessous, par derrière, devant, échange. Passe entre les deux bras. Jérémy Mercier est en école d'hôtellerie. Avant d'intégrer la section barman l'an prochain, il vient se préparer ici. C'est l'entraînement, on progresse. Donc j'essaye et je vois que ouais, de jour en jour, c'est deux fois mieux. Des étudiants mais aussi des professionnels, Alexandre Dallé est déjà barman. Son rêve, jongler avec les bouteilles tel Tom Cruise dans le film Cocktail. C'est une passion déjà à la base. Ensuite, au niveau du bar, ça aide toujours la clientèle à vous regarder. Les clients adorent regarder un show derrière un comptoir, c'est excellent. Ce n'est pas juste un enchaînement de mouvements, c'est qu'à la fin, l'objectif c'est de réaliser un cocktail. Donc il y a une verre, c'est la création qui entre en compte. On a aussi l'effet d'avoir du liquide dans le bouteille qui amène une particularité quant au jonglage. Mais avant le spectacle, revenons aux fondamentaux, la création de cocktails. Ici, la mixologie est également enseignée, la base du métier. Voilà, un petit mojito cubain. Voilà, messieurs, vous pouvez bien déguster, une bonne dégustation.